Un peu moins de 6h du matin. On va au parking récupérer la voiture. Paris est désert, c'est parfait. Enfin, presque désert. Et c'est parti pour le Cap Nord. Premier arrêt, Kiel. Et on s'arrête pas jusqu'à ce qu'on monte au Cap Nord. Oh, sympa le petit RS6 là. À tout à l'heure. Ok, ça y est. Mes bagages sont dans la voiture. Ça commence ici, ça commence maintenant. On part au Cap Nord. J'attends mon ami Norman. On sera avec un ami qui s'appelle Norman qui va nous rejoindre pour le voyage. Très sympathique. Et puis c'est parti, on prend la route. J'immortalise tout. Hein. Hello. Alors, on est parti de Paris ce matin, vers à peu près 6h du matin, et on a enroulé quasiment non-stop, à part un petit plein d'essence. On a fait qu'un seul plein d'essence hein, pour l'instant. Ouais. On a mangé des bonbons, et c'est à peu près tout, on commence à avoir grave faim, mais on s'est dit qu'on allait s'arrêter manger à la ville de Bremen en allemand, parce que ça avait l'air d'être mignon, et qu'on s'est dit qu'on allait se trouver un petit truc sympa à manger là-bas. Là, on est sur l'autoroute, on a traversé donc tout l'est de la France, la Belgique, l'Allemagne en partie, on est à peu près à la moitié de l'Allemagne et on doit la traverser en entière jusqu'à arriver à la ville de Kiel, qu'on dit Kiel en allemand. Et voilà, voilà ce qui nous attend. Donc normalement, la prochaine fois que vous nous revoyez, ce sera dans un marché couvert où il y a plein de bons petits restos pour qu'on puisse se régaler. Kilomètres jusqu'à Kiel, je voulais que la voiture soit propre pour le début de l'aventure qui pour moi commençait à partir de l'entrée en Norvège, après le ferry de demain. Mais en autre genre, ah oui, ils essayent de mettre N, c'est ça. Et elle te pousse toute seule, c'est incroyable. C'est très bizarre. Ah, faut enlever les 0. Parce que je crois que c'est un des premiers roues de ma vie. Je pense à la direction, mais je sais pas ce que je fais. C'est pas bon, ouais. Faut espérer que pas te faire rentrer dans la voiture de dos. Là, c'est ouais. On est arrivé dans l'hôtel, il doit être là. On le voit avec les Mien Kiel là-bas. Ah oui. Oh là, regarde le gros. On est juste devant le port en fait, c'est hyper pratique pour. De la clé, elle est là. Je te le dis tout de suite. Voilà. Ah, ça va. Ok. Ça va, Norman? Ça va très bien. On a fait nos valises. C'est un peu le bordel dans la chambre, mais c'est pas grave. On est près du port. Notre bateau est tout là-bas. Je sais pas si on le voit bien. Un grand ferry. Oui. Donc on a mangé à l'hôtel, c'était pas trop mal, sauf qu'il y avait un DJ qui mettait de la musique à fond et c'était un cauchemar. Donc j'ai dû mettre des boules caisses. Et là en fait aujourd'hui on n'a pas beaucoup de route puisque vraiment le bateau est juste en face. On va simplement aller faire l'embarquement et puis on se retrouve directement dans le bateau.
Donc c'est pour ça qu'hier on s'est permis de faire vraiment 1000 bornes d'un coup avec presque 10 heures de route, enfin plus de 10 heures de route, parce qu'on savait que le lendemain ça serait zéro route. Mais on fait quand même une traversée qui nous fait économiser pratiquement 1000 km de route, tout en étant dans le confort et le luxe du plus grand ferry du monde, ferry qui peut prendre des voitures. Et voilà, donc on se retrouve sur le bateau. Vous pouvez voir en arrière-fond, enfin en arrière-plan d'ailleurs, enfin en arrière-plan, le bateau de croisière. Hello. How are you? I'm good. How are you? We're good. May I have your passport, please? Of course. Heureusement que j'ai pensé à prendre mon passeport. Oh là là. Bravo. Moi aussi, je me suis dit que 4 ans, ça devrait suffire. Après, je dis non. On ne sait jamais. Si on décide finalement de continuer le voyage pour toujours, il vaut mieux qu'on ne le passe pas. Nous voilà sur le bateau, on s'est garé, on va récupérer les bagages et on va aller voir notre cabine. Avec le vent là, et on va passer sous ce pont là. Je sais pas si on voit bien, mais on arrive à Oslo avec le bateau. La nuit était un petit peu turbulente. On a mal dormi parce que ça a bougé pas mal. Mais voilà, maintenant il faut qu'on roule au moins 7 heures jusqu'à Trondheim. Donc c'est parti. Bon Lolo, un petit point. Donc, on est en train de débarquer à Oslo. Il a l'air de faire bien froid, c'est tout blanc, la mer est gelée. On se demande si on va sortir en dernier ou en premier parce que on pensait qu'on serait les derniers, mais en fait ils viennent d'ouvrir devant nous et on dirait qu'on va être parmi les premiers à descendre, ce qui serait cool, ce serait la moindre des choses. Et maintenant le but c'est de rouler jusqu'à Trondheim, qui est quand même assez loin au nord, mais en passant par des jolies routes, donc pas par l'autoroute en direct, en passant par des petites routes sympas où il y a des trucs à visiter. Donc voilà, ça va être sympa, à toutes. Thank you.
Nous avons donc décidé de sortir de la route principale pour emprunter une route plus scénique. La route était devenue de la glace, ce qui n'est pas idéal lorsqu'on a des pneus off-road et pas des pneus neige. Et les paysages devenaient de plus en plus spectaculaires avec des forêts et des lacs gelés. On s'est dit que ça serait pas mal de s'arrêter un peu, faire voler le drone, afin de mieux se rendre compte du paysage autour de nous. Et ce fut la surprise. Nous avons continué sur cette route magnifique jusqu'à notre destination pour le soir dans la ville de Trondheim. Alors, pour résumer, aujourd'hui on est à Trondheim, très jolie ville. C'est mon anniversaire, donc je me régale. Tous les gens qui ont dit que l'exploration arctique était pas facile, fatigante, qu'il fallait manger au moins 5000 calories par jour, alors c'est vrai, cette partie-là c'est vrai. Mais le reste, franchement, je trouve que l'exploration arctique c'est assez sympathique. Donc aujourd'hui, on va décider de prendre une route un peu plus compliquée qui prend une multitude de ferries à travers plein de petites îles pour monter vers le nord plutôt que la route directe parce que ça serait plus joli. Mais ça va nous faire passer la journée sur la route et arriver hyper tard le soir. Mais bon, après tout, on vit qu'une fois. Donc autant se faire plaisir. Le buffet de cet hôtel, c'est mieux qu'un mariage. Je ne vais pas vous décrire ça mieux, c'est mieux qu'un mariage. Donc maintenant, on va poser le téléphone et on va bouffer. Thank you.
toute propre. Alors, un petit vlog. Rebienvenue. Là, on est sur une petite île dont je connais pas du tout le nom, dans une ville que je connais pas le nom non plus. Mais c'est pas grave, c'est magnifique. Je vais vous montrer quelques petits plans drone très sympas. Donc, pour résumer un peu la journée, on pensait qu'on avait du temps pour choper. En fait, on a plein de ferries à choper pour aller d'île en île, mais il n'y en a pas toute la journée et toutes les heures. Donc, il fallait qu'on ait certains ferries à certaines heures, sinon ça aurait été. Oh, regarde là! Trop marrant. Vieille coccinelle et tout. Plein de coccinelles. Mais pas plein. On s'est rendu compte qu'à 2 minutes près, on n'allait pas avoir le ferry et. Disons que j'ai dû rouler un peu costaud pour qu'on puisse. Mais c'était dangereux parce qu'il y avait de la glace, donc ça glissait, il fallait que je fasse un peu un rallye. Ça m'a pas déplu, espèce une bosse là, fais gaffe. Donc on a dû speeder grave. On a réussi à choper le ferry, mais à 2 minutes près. Et là, on est arrivé sur une île, et comme on avait une petite demi-heure de battement entre le prochain ferry et l'arrivée de celui-là, bah on a été faire des petits plans drones, des petites photos, on avait pris des petites routes paumées, un peu en off-road, et c'était très sympa. Voilà, donc là on va prendre le deuxième ferry des 3 de la journée, je crois qu'il n'y en a que 3, j'espère. Et normalement le dernier ferry ce sera la nuit. Et vu que le ciel est bleu, j'espère que ça va le rester ce soir. S'il y a des aurores, on les verra. Donc il faut juste qu'il y en ait, mais avec ce ciel incroyable, disons que c'est sûr. Voilà, donc à toutes. Allez, accélère! Bienvenue parmi nous, salut Norman. Alors on est arrivé à l'arrêt du ferry avec une petite demi-heure d'avance, c'est pour ça qu'il n'y a personne et il n'y a que nous. Mais j'aime bien quand il n'y a que nous. C'est très mignon ici. On va aller se promener un petit peu, filmer la voiture parce que j'adore filmer la voiture. Franchement les pneus, même s'ils ne sont pas censés être des pneus hiver, ils sont bien démerdés. Bon, quand il y a vraiment de la glace, ça glisse, hein, tu peux rien faire. Mais quand tu vois quand c'est un peu comme ici là, que c'est un peu... C'est un peu gelé par terre, mais il fait moins 1, moins 2. Et ben, ça passe encore en fait. C'est à partir de moins 10, moins 12 que les pneus, tu commences à sentir qu'ils sont peut-être pas faits pour l'hiver. Mais franchement, ça va. Ça me donne envie de faire une photo là. Tiens, je vais aller chercher mon téléphone. Bref, donc là, on va prendre le deuxième ferry de la journée, comme je disais tout à l'heure. Et arriver vers une autre île où on va prendre un dernier et troisième ferry qui sera le plus long. Je crois qu'il va durer entre 40 minutes et 1 heure. Je me rappelle plus exactement. Et après, il n'y aura plus que de la route pour arriver à la ville de ce soir qui s'appelle Mo'irana. Je ne sais pas si je le prononce correctement, désolé. Et voilà, et après, on espère pouvoir voir les aurores parce que franchement, le ciel est bien bien dégagé. On a un temps incroyable, on dirait qu'on est en été. Sauf qu'il fait très froid. Voilà, à toutes. La fin de la route s'est passée sans encombre, mais malheureusement, ce ne fut pas le soir où nous avons eu la chance de voir les aurores. La suite... dans la deuxième partie.